Bonjour à tous, ce chapitre 5 est intitulé « Transmettre comment apprendre aux élèves ». Il est en lien avec le chapitre 4 et la vidéo donc du chapitre 4 que vous avez pu voir précédemment, on vous invite également à la regarder si ce n'est pas le cas. Chapitre 4, travailler donc sur la notion d'équilibre par rapport au cours. Donc l'équilibre maintenant c'est dans la conception du cours, dans la façon dont vous allez amener le cours, vous pouvez toucher un maximum d'élèves par rapport à leur mode d'apprentissage. Maintenant ce chapitre 5, il a pour utilité de pouvoir désormais impliquer davantage les élèves dans le cours. Et donc pour cela, comment est-ce qu'on peut leur transmettre le fait d'apprendre? Comment est-ce qu'ils peuvent prendre conscience sur le fait qu'ils sont capables d'apprendre d'eux-mêmes et faciliter leur apprentissage? Pour cela, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder trois points. D'abord, on va travailler la posture de l'enseignant par rapport à cette question de « mes élèves sont capables d'apprendre ». B, deuxième point, on va regarder quels sont les petits choses au niveau de la théorie que vous pouvez amener directement à vos élèves. Et troisième point, on va regarder ensemble quelles sont les pratiques que vous pouvez leur proposer ou les pratiques que vous pouvez mettre en place au sein de votre cours pour faciliter et augmenter l'apprentissage et impliquer davantage vos élèves. Pour commencer, on va reconsidérer la posture de l'enseignant par rapport à cette notion de transmettre comment apprendre aux élèves. Premier point, est vraiment primordial, c'est cette notion qu'il faut pouvoir dédramatiser le fait que vos élèves sont capables tous d'apprendre et de comprendre comment ils apprennent. Vous devez croire en leur autonomie par rapport à cela. Très très important d'être dans une posture de « c'est possible, mes élèves, peu importe leur niveau, sont capables de comprendre comment ils fonctionnent. C'est possible. » Et par rapport à ça, vous allez être garant de la démarche que vous allez pouvoir amener en classe si vous décidez de l'amener. Là-dessus, très important, c'est vraiment de bien prendre conscience qu'un élève, il ne faudrait pas confondre, pardon, la notion d'intelligence et d'apprentissage. L'apprentissage, elle va se faire par différentes formes d'intelligence et on a aussi différents modes d'apprentissage. C'est ce qu'on a pu voir sur la vidéo du chapitre 3. C'est vous qui allez être le gagnant de pouvoir amener cette démarche dans la classe. Et croire que vos élèves sont capables de comprendre comment ils fonctionnent, ça va les mettre en situation de confiance et vous allez davantage pouvoir vous détacher de la façon dont vous amenez votre cours. Beaucoup plus simple en fait de pouvoir venir enseigner par la suite si vos élèves ont une connaissance d'eux-mêmes. Alors c'est pas évident, peu importe l'âge, pour des enfants, des adolescents ou de jeunes adultes, de comprendre comment on fonctionne. Donc c'est pas évident de leur amener le test et de leur dire « bon, vous êtes sur quel mode d'apprentissage, où est-ce que vous vous situez et comment est-ce que vous vous comprenez ?» Donc on a déjà eu cette question avec d'autres enseignants. Un point qui est important, c'est d'abord de leur demander eux-mêmes « comment est-ce que vous apprenez ?» Quel est votre fonctionnement lorsque vous devez apprendre une leçon chez vous ? Lâchez prise par rapport à ça et venez écouter comment fonctionnent vos différents élèves. Ne demandez pas aux meilleurs élèves comment ils fonctionnent. Demandez à tous les élèves de la classe comment est-ce qu'ils apprennent. Pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement, vos élèves vont prendre conscience qu'il y a différents modes d'apprentissage et lorsqu'on a conscience qu'il y a des façons différentes de la sienne, que la sienne en fait, on va tout simplement voir qu'il y a des choses qu'on n'exploite pas ou qu'on n'essaie pas en tant qu'élève, qui pourrait être intéressant pour pouvoir apprendre plus facilement. Demandez ça à vos élèves, c'est quelque chose sur lequel vous devez vous prévoir du temps. Donc ça peut être intéressant en début d'année sur un exercice d'inclusion et pour que les élèves puissent également comprendre comment ils fonctionnent, comment est-ce que vous allez pouvoir interagir avec eux. Vous pouvez leur faire tester les trois modes d'apprentissage sur lesquels on a déjà un peu travaillé, la notion d'apprentissage rationnel, notion d'apprentissage affectif et la notion d'apprentissage opérationnel. Vous pouvez leur expliquer les trois modes d'apprentissage une fois qu'ils ont commencé à se questionner. D'abord un questionnement des élèves avant qu'ils puissent eux-mêmes venir se situer. Donc apportez-leur un peu plus de matière une fois que eux se sont posé la question. Et là si vous vous dites en fait non c'est pas possible et ça ne marche pas et c'est pas évident pour un jeune, ce qu'on rappelait tout à l'heure,
Sachez en tout cas que tout le monde aime savoir comment il fonctionne. Vous allez retrouver des tests de personnalité dans des Astrapi, des Jeunes et Jolis, jusqu'à des Paris Match, donc vous inquiétez pas, à tout âge, on adore et on apprécie et on est intéressé par le fait de comprendre comment on fonctionne. Un troisième point par rapport à la posture de l'enseignant, point extrêmement important, ne parlez pas de vous. Ne soyez pas un modèle sur la notion d'apprentissage. C'est impossible de venir transmettre le comment apprendre à vos élèves si vous parlez de votre façon à vous d'apprendre. Vous n'êtes pas un modèle, vous n'êtes pas une référence et vous ne devez pas projeter le fait que votre modèle pour apprendre est bon. Il va correspondre à certains élèves, mais pas à tous. Donc c'est vraiment une question individuelle. Ne projetez pas et faites attention justement à vous préserver de cette situation-là. Laissez les élèves libres dans le fait de se trouver, de comprendre comment ils fonctionnent. Très important. Et autre posture, ne venez pas juger, ne venez pas directement mettre les élèves dans des cases par rapport à leur mode d'apprentissage, à eux vraiment d'en prendre conscience et devenir du coup davantage exploités. Si vous voulez que les élèves puissent mieux apprendre, et donc comprendre comment ils fonctionnent et mieux apprendre par la suite, c'est à eux de verbaliser le fait de la façon dont ils fonctionnent, la façon dont ils apprennent. Un autre point sur lequel on va venir se concentrer sur cette vidéo, c'est quelles sont les choses apportées par les neurosciences et les sciences cognitives que vous pouvez amener directement à vos élèves et que vous pouvez leur expliquer. C'est très important en fait d'aborder cela avec vos étudiants, vos élèves, peu importe l'âge directement, et il y a des mots simples à amener, même pour les plus jeunes, pour venir démystifier le rôle du cerveau et de ce qu'on va appeler l'intellect. Et qu'on va trop facilement appeler la notion d'intelligence. Les intelligences, elles sont multiples. Le cerveau n'est pas le seul moyen d'apprendre, n'est pas le seul centre d'apprentissage. On l'a vu, il y a ces expressions qui sont davantage corporelles par rapport à l'opérationnel, sur apprendre par le geste, l'apprentissage kinesthésique. On va avoir des apprentissages par rapport à de la relation, par rapport à du lien, par rapport au lien donc directement affectif ou relationnel, mais par rapport aussi à un lien, à faire le lien entre les connaissances pour ce qui est d'un mode affectif. Ne donnez pas trop d'importance à la tête ou au cerveau. Démystifiez ça. C'est un outil exceptionnel, extraordinaire, on n'en connaît pas encore la totalité, et on progresse par rapport à ça au niveau des neurosciences, mais ne faites pas du cerveau le seul moyen d'apprendre. Vraiment, c'est important de le dire à vos élèves. Et ça va remettre en confiance certains qui vont dire « Ah, j'y ai pas pensé, je comprends pas », qui vont pas naturellement, directement, et c'est pas péjoratif de le dire, utiliser leur cerveau, parce que c'est pas forcément naturel ou c'est pas leur premier centre d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre sur le cerveau? On s'en sert bien sûr pour apprendre, mais il faut distinguer deux modes de fonctionnement du cerveau, le mode concentré et le mode diffus. C'est important de dire à vos élèves que parfois il faut pouvoir se concentrer, donc vraiment être concentré sur une tâche, amener toute son attention pour que le cerveau fonctionne et puisse appliquer, réappliquer des savoirs, des connaissances. Et parfois il faut aussi expliquer une sorte de ce qu'on appelle le mode diffus, une sorte de lâcher prise du cerveau qui permet d'autres apprentissages. Un exemple, lorsque vous êtes sur une notion d'exercice, donc d'une répétition d'un exercice, on vient dans le mode concentré venir chercher des connaissances qu'on a déjà établies pour pouvoir les réappliquer. Et par contre, lorsque vous êtes sur une forme un peu plus ludique d'apprentissage par la notion d'expérience, le cerveau va changer et être davantage sur un va changer de mode et va davantage être sur un mode diffus. C'est-à-dire qu'on ne capte pas tout de suite la connaissance et on n'est plus dans un mode concentré, mais on est dans un mode avec de l'attention, mais où on est davantage sur un lâcher-prise pour pouvoir emmagasiner de nouvelles informations. Dans tout ce qui est ludique, vous retrouvez en fait cette notion de lâcher-prise qui est intéressante et qui permet de nouvelles intégrations d'informations. Autre chose que vous pouvez amener par rapport aux connaissances qu'on a aujourd'hui des neurosciences, c'est la notion de temps pour apprendre. C'est important de dire on a besoin de temps pour pouvoir se concentrer,
mais aussi on a besoin d'espacer dans le temps la connaissance pour pouvoir l'intégrer. Les notions de répétition à ce sens-là sont extrêmement importantes et on le verra également sur les notions de pratique que je vous amène un peu plus tard. Deuxième point, par rapport cette fois-ci à des sciences qui sont un peu plus cognitives, il y a des choses qui sont extrêmement importantes que vous pouvez faire valider à vos élèves directement. On va les revoir ensemble, il s'agit donc de l'utilité, de l'attention, de la concentration. Lorsque utilité, attention et concentration sont amenées, et dans cet ordre également, on peut aller venir chercher donc de l'implication. L'utilité, qu'est-ce que c'est ? Au niveau cognitif, en fait, l'utilité, c'est ce qui vous permet d'agréger et de faire focaliser les trois modes d'apprentissage. Pourquoi ? Lorsque vous répondez à la question du « à quoi ça sert ?», vous venez justifier le « pourquoi existe ?» ce cours et à quoi va servir la connaissance que vous allez introduire. Le à quoi ça sert, c'est la question première qu'un cerveau, de manière animale, vient se poser. Si on répond à l'utilité dans l'environnement, on comprend pourquoi ce cours existe et quelle va en être l'utilité, quel va en être le sens. À quoi est-ce qu'il est relié ? Le sens, pour les personnes qui vont être sur un mode rationnel, à quoi est-ce que ce savoir est relié ? Donc directement sur le mode affectif, et à quoi ça va servir sur la notion concrète pour le mode opérationnel. Pour pouvoir amener la notion d'apprentissage, vous devez amener l'utilité à chaque fois. L'utilité, elle est importante. Après, mais il faut pouvoir avoir l'attention des élèves. Et c'est pas ce qu'il y a de plus facile, on va en parler directement aussi dans le chapitre 6 sur la prise de parole. C'est pas facile d'avoir l'attention, mais c'est extrêmement important que vous puissiez avoir le calme, être écouté et avoir les élèves présents avec vous. Tout ce qui aujourd'hui fait le succès de la méditation et des autres techniques de respiration que vous pouvez avoir travaille la notion de présence en fait des personnes et des personnes qui sont avec vous. En quel cas les élèves. Le succès que vous avez sur le livre d'Hélène Sinel, Calme et attentif comme une grenouille, vous le retrouvez sur cette notion d'attention et de présence. Et la notion d'attention, elle va ensuite permettre la concentration qui demande encore un peu plus de temps. Et lorsqu'un élève est OK sur le fait que le cours est utile, qu'il est attentif et qu'il est concentré, là vous pouvez avoir l'implication de l'élève à plus long terme et donc de manière un peu plus facile pouvoir l'emmener tout au long de votre séance. Le troisième point qu'on regarde ensemble sur cette vidéo, c'est avoir des pratiques pour mieux apprendre et que vous pouvez finalement transmettre à vos élèves ou leur montrer. En cela, ce qu'on vous amène là maintenant, ça va servir aux deux publics, que vous soyez enseignant ou élève directement. Alors, quelles sont les pratiques qui marchent le mieux par rapport à la notion d'apprendre ? Eh bien, il faut venir aider l'élève, par exemple, sur des choses qui sont mnémotechniques. Lorsqu'on vient simplifier une forme d'apprentissage, lorsqu'on vient décaler le savoir, on permet de l'isoler au sein du cerveau et permettre à l'élève de s'en rappeler ou d'intégrer le savoir différemment. Pourquoi est-ce que le moyen mnémotechnique est aussi super intéressant. En fait, il vient s'appuyer sur un savoir rationnel. Il vient également relier le savoir, la connaissance avec quelque chose d'autre. Donc, on en vient travailler également par rapport au mode affectif. Et il vient donner un moyen pratique, pour ceux qui sont un peu plus opérationnels, de se rappeler. Donc, c'est finalement quelque chose qui est relativement équilibré. Lorsqu'on vient parler des conjonctions de coordination, si je vous rappelle la notion de « mais où est donc Ornicar ?», c'est simple, c'est condensé, en soi c'est original, et j'ai relié conjonction de coordination avec une phrase, avec une utilité, avec une entité qui est différente, et j'ai quelque chose qui est très pratique pour moi à remettre en place. Ça, sur votre posture d'enseignant, vous devez, lorsque vous êtes en train de travailler sur la conception de votre cours, en train de vous dire qu'est-ce qui pourrait être un moyen mnémotechnique de garder le savoir ou la connaissance que je suis en train de transmettre. La notion de correction, d'autocorrection par rapport aux élèves, elle est extrêmement importante parce qu'on vient travailler la notion d'itération et de compréhension de ses propres erreurs.
dans le monde adulte, on va nous rabâcher qu'il est important d'apprendre de ses erreurs, de ne pas les refaire. Eh bien, c'est extrêmement intéressant, voire super important, même dans un apprentissage de vie, de le faire sur des exercices, directement en classe. Venez vous corriger, venez comprendre vos erreurs. Et c'est peut-être important aussi d'amener une motivation par rapport aux élèves, de se comprendre et se relire. C'est important, c'est pas un réflexe non plus la relecture. Rendez-la un peu plus ludique. Accordez des points à ceux qui vont réussir à se corriger. Donnez cette notion-là de relire la copie du voisin, venir se corriger, corriger d'autres personnes, pour comprendre en fait que la correction est un moyen d'apprendre. La cartographie des connaissances. De plus en plus de personnes viennent utiliser ce qu'on va appeler des cartes heuristiques ou des mind maps. Le mind map, c'est un outil qui est extrêmement équilibré par rapport à la notion d'apprentissage. Vous allez retrouver des mots, donc très intéressant pour ceux qui sont sur un mode rationnel. Des liens avec des traits, donc intéressant pour ceux qui veulent relier des connaissances, donc sur leur mode d'apprentissage, un apprentissage affectif. Et ce qui est important, c'est de remettre également des images ou des schémas à intégrer directement dans un mind map pour les modes opérationnels. La cartographie est montrée à vos élèves comment vous pouvez en faire et faites en sorte que eux puissent aussi les reproduire. C'est important de mettre des mind maps. Pourquoi ? Parce que la façon dont le cerveau va stocker l'information, c'est de la même manière. C'est un système neuronal qui a certains groupes de mots, certains tiroirs qui vont être reliés entre eux pour répondre à certains problèmes et qui vont aussi se reposer sur des mots, sur des images, en même temps qu'être reliés entre eux. Le cerveau est dans sa construction relativement équilibrée. Donc il est plus simple de venir amener un savoir lorsqu'il est construit comme le cerveau est physiologiquement construit, plutôt que d'amener des notes de haut en bas avec des petits tirets qui favorisent et facilitent l'apprentissage rationnel, mais c'est relativement déséquilibré. Quelque chose qui est extrêmement important sur lequel vous pouvez venir vous appuyer, vous pouvez l'expliquer aussi à vos élèves ou à vos étudiants, c'est qu'il est important d'écrire son agenda pour le lendemain, voire pour la semaine qui va suivre. Pourquoi cela ? Tout simplement lorsqu'on est sur un mode diffus, qu'on va finalement être en switch-off, désolé pour l'anglicisme, au niveau du cerveau, eh bien, si je note le lundi soir ce que je vais faire le mardi, mon cerveau va se réorganiser tranquillement, va intégrer l'information, l'information va incuber, et lorsque le mardi matin je vais arriver dans ma classe en tant qu'élève, je sais davantage ce qu'on va faire et mon cerveau y est davantage préparé. Donc faites écrire pour prendre conscience, ne dites pas juste demain on va voir ça ou autre. Pour bien préparer le cerveau, il faut que les personnes aient un vrai temps pour l'intégrer. Autre point important, la notion de faire se souvenir. Donc vous pouvez proposer à vos élèves de relire différents passages de cours pour pouvoir apprendre. Être sur un bloc condensé, c'est dangereux sur une semaine ou deux semaines ou trois semaines pour l'intégration à long terme de l'information. C'est bien pour faire une interrogation à la toute fin, mais pas forcément pour ancrer le savoir. Donc venez espacer, prenez des temps de zoom dans vos différentes pratiques ou différentes leçons sur lesquelles vous souhaitez revenir pour que le cerveau puisse ancrer, le corps puisse ancrer et qu'on puisse davantage relier les différentes connaissances entre elles. Très important. Un point à soulever, c'est aussi de valoriser l'exercice progressif et l'apprentissage progressif. Lorsqu'on est toujours sur cette notion de facile, moyennement difficile, difficile, voire très difficile par rapport à l'exercice, on les gradue. Donc là, il y a la notion de progression qui est importante. Sachez, lorsque vous amenez dans un livre, dans un manuel, le fait qu'un exercice est difficile ou très difficile, tout simplement, vous allez amener un ancrage psychologique chez les élèves. Et donc, merde, c'est difficile, donc en fait, ça va être compliqué, donc j'ai un petit peu peur, donc je vais pas essayer. Donner des exercices sans donner leurs difficultés non plus. Et pas forcément dans un ordre de facile, du moyennement difficile, très difficile. N'hésitez pas à intervertir, jouer avec les différents niveaux. Ça, c'est assez important de pouvoir jongler. Autre point,
qui est aussi intéressant, c'est de, entre guillemets, de valoriser l'apprentissage non scolaire. Et une sorte de procrastination que les élèves peuvent avoir en classe où ils sont sur une forme de lâcher prise. Le cerveau passe beaucoup de temps à apprendre, même lorsqu'il ne fait rien. Et on a d'autres formes d'apprentissage qui sont également à valoriser et à reprendre en considération. Et pour ça, ce qui est juste important, c'est de laisser conscience aux élèves qu'ils ont des savoirs que les autres n'ont pas. Si votre enfant est fan, si votre élève, ou votre enfant, ça fonctionne également, est fan de basket américain, en soi, il y a de fortes chances qu'il connaisse très bien la géographie des États-Unis. Si un élève est fan de danse classique, ben il y a de fortes chances qu'il soit à même d'amener également des connaissances par rapport à ce sujet-là. Et donc il y a d'autres façons d'apprendre. On apprend chez soi, entre guillemets, en étant affalé dans le canapé, en regardant la télévision, en traînant sur YouTube, sur l'internet. Et donc il y a ces formes de savoir-là qui sont aussi à réintégrer et à valoriser dans le temps de classe. Parce qu'aujourd'hui, on a le cerveau qui emmagasine plein de petites choses. Et donc, il faut aussi les faire ressortir. Quelles sont les pratiques, à sa différence, qui sont à bannir? Eh bien, vous devez dire à vos élèves de ne pas se mettre sur un mode robotique par rapport au fait de recopier directement le cours que vous proposez. C'est très peu efficace de le faire directement en cours. Le mode opérationnel fonctionne beaucoup sur ce type-là, mais il est plus intéressant pour eux de venir recopier l'essentiel plutôt que de tout prendre en note. Et ce qui est important à ce niveau-là, c'est de redévelopper l'écoute active de vos élèves. Il ne faut pas tout souligner ou tout surligner. Donc la notion de concentration et de choix sur l'essentiel. D'autres pratiques à bannir et que vous devez expliquer à vos élèves, c'est les notions de stimulation et de stimuli. Et c'est peut-être aujourd'hui ce qu'il y a de plus compliqué. Rappelez à vos élèves, et c'est une fiche pratique qu'on vous a déjà envoyée en amont, que lorsqu'ils ont leur smartphone en main, ils ont la capacité de mémoire d'un poisson rouge. Oui, ils ont la capacité de mémoire d'un poisson rouge. C'est également valable pour vous si vous êtes en train de regarder cette vidéo avec votre téléphone dans la main et vous ne vous souvenez sûrement pas de ce que j'ai pu vous dire il y a 15 secondes. C'est bien dommage, vous allez devoir revoir la vidéo. N'oubliez pas en fait de leur ramener le fait qu'il faut être présent, il faut être attentif, parce que le cerveau n'est pas multitâche, il va se concentrer, il a besoin de temps pour se replonger dans de l'information également. Donc important d'expliquer que pour se concentrer, il faut pouvoir s'isoler, se couper, et donc être vraiment sur une seule tâche à la fois. Un rappel important, parce qu'on l'oublie, c'est des rappels en fait par rapport à la physiologie. Et là, c'est peut-être intéressant de le dire aux enfants, aux élèves, aux adolescents, aux jeunes adultes, mais également de le ramener pour les parents. Il est important pour que l'apprentissage soit plus facile et apprendre plus facilement d'avoir un bon sommeil, de boire beaucoup d'eau, donc on est sur une notion d'hydratation. On va être aussi sur une notion d'aller faire du sport et de l'exercice physique. De l'exercice physique régulier permet d'apprendre plus facilement et d'intégrer l'information beaucoup plus facilement. Donc en fait, vous travaillez sur la notion d'élimination des toxines, si on voit de manière un peu plus scientifique, et la notion en fait de retravailler l'intelligence un peu plus opérationnelle, qui est corporelle, donc une autre manière d'intégrer l'information, et une relation à l'effort qui va être aussi différente. Et donc qui dit capacité à tenir sur un effort physique, va aussi venir travailler sur un effort qui va être davantage intellectuel. Et à ce niveau-là, c'est extrêmement intéressant d'avoir des activités à côté pour favoriser l'apprentissage en classe. Donc, dites-le aux parents, point qui est aussi important. Pour conclure, donc, on rappelle un petit peu, vous avez pu voir la notion de posture professeur ou d'enseignant qui est relativement importante par rapport au fait d'être OK pour pouvoir venir transmettre comment apprendre à ses élèves. On a vu des choses, des éléments au niveau des neurosciences et des sciences cognitives que vous pouvez réintégrer et que vous pouvez annoncer directement à vos élèves. Et également différentes pratiques qui sont importantes, soit pour vos élèves, soit pour vous dans la manière d'amener votre cours. Ce niveau-là, pourquoi est-ce qu'on travaille? Pour le rappeler en introduction, il est pour venir davantage intégrer vos élèves dans une notion proactive
au niveau de l'apprentissage. Lorsqu'un élève est capable de venir se comprendre, de tester et d'essayer des méthodes, il apprend sur lui. Et apprendre sur soi, en fait, il y a une forme de gratification qui est extrêmement importante, qui est extrêmement positive et qui va motiver également l'élève dans l'apprentissage. Par rapport à ça, il est important de l'accompagner, de comprendre ce qu'il met en place et de valoriser le fait d'essayer et de rendre compte et de faire prendre conscience à chaque élève qu'il est possible d'apprendre. Il suffit d'essayer pour mieux se comprendre et pouvoir apprendre plus facilement. Merci à vous pour votre écoute par rapport à ce chapitre 5. Le chapitre 6 me parlera de la prise de parole en public et viendra également retravailler les notions d'attention, de concentration et la posture d'enseignant. Merci à vous, continuez toujours à être plus nombreux à nous suivre sur Facebook, sur notre fil Twitter également et sur notre page YouTube. Merci à vous et à très bientôt.